anarchy, genocide, starvation. And then we heard the rumors that the last scientists were working on a cure that would end the plague and restore the world. Why? I like the dead. I like the misery. I like the world! Allah Akbar! Civil libertarians and cybersecurity experts are raising eyebrows about a proposed law giving the president a virtual kill switch on the internet. The bill has some provisions for private sector involvement, but not other branches of government. National correspondent Catherine Herridge has the story of what some people feel is another example of big brotherism.
ideologically have marriage possible. But the question remains, what constitutes a cybersecurity emergency? And would it allow the government to reach as far as your own computer? La France, elle dit, ça lui a coûté très cher. Computer, damage. Confirmed. Destination. Babylon 5. Have to answer your questions. No. You know.
my cause. Life! One life or a billion, it's all the same. Then you make the sacrifice willingly. Yes. No fame. No armies or banners or cities to celebrate your name. You will die alone and unremarked. And forgotten. This body is only a shell. You cannot touch me. You cannot harm me. I'm not afraid. How can you be so limited? Brain and the mind are capable of so much, can't you see? That the brain is consciousness.
будущем политическое регулирование, и это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует из-за безопасности. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за реальностью. Такая политика является конечным катализатором глобального дружбы. Return to our noble brothers. No worship, she's a lion race.
raison d'être inquiet, d'avoir peur, parce qu'avec tout ce qui nous prépare, avec toute la guerre aujourd'hui qui nous mène, soutenue par un gouvernement qui est totalement complice, qui est totalement aux ordres du MEDEF, oui, vous avez raison d'avoir peur, parce que quand la colère sociale elle va exploser, bien sûr qu'il n'y aura pas de limite, et là faudra pas venir pleurer quand on vit avec le SMIC et puis qu'on se fait virer après comme un malpropre au bout de 30 ans de chaîne et qu'on pourra plus retrouver du boulot. Elle est là la violence, mais ça nous fait pas peur. Et ben c'est normal qu'on se révolte, et le droit de grève, on l'a acquis de haute lutte. Il est prévu qu'il sera plus difficile pour les salariés licenciés de porter leur dossier devant la justice. Comme ça s'appelle en langage MEDEF, ça veut dire sécuriser les licences. Politique qui vous concerne aussi bien vous que vous, c'est-à-dire la classe politique, une classe politique qui est profondément sociologiquement non représentative du poids 0% d'ouvriers et d'employés dans les deux assemblées, y compris quand c'est la gauche, alors qu'il représente 52% de la population active. Je ne parle pas des femmes et tout ça, il n'y a pas de diversité sociale. Ce sont des gens aisés qui décident des lois qui vont défendre leurs propres intérêts. Quand on vit toujours entre soi, entre gens aisés, entre gens qui ne connaissent pas le seuil de pauvreté, qui ne connaissent pas la vie réelle des gens parce qu'ils ne sont pas là, qu'ils se retrouvent entre eux comme vous vous retrouvez là tous les deux dans ce même studio, eh bien l'impunité est là. Alors pour moi ce qui est important c'est de remarquer que les paradis fiscaux, la fraude fiscale, que ce soit l'UMP ou le Parti Socialiste, ça n'est pas, alors que c'est le trou noir du système capitaliste, que avec les centaines de milliards d'euros qu'il y a dans les paradis fiscaux, vous n'avez plus de déficit, vous n'avez plus de dette, il n'y a plus de problème. Tout ça, ce sont des armes qui sont utilisées par la classe des riches, par la classe politique, pour asservir les pauvres. Ça n'est plus possible. Le fait que le vote blanc ne soit pas comptabilisé dans les suffrages exprimés, c'est ça le vrai problème de la classe politique d'aujourd'hui. Vous supprimez le cumul des mandats, vous interdisez de pouvoir faire carrière en politique et vous rendez le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc. Les discussions ici sont terminées. Les discussions ici sont terminées. Notre société humilie. Et les humiliations créent quelquefois des violences qui vont jusqu'à la destruction du système qui vous humilie. Et là, on voit bien que l'engagement, c'est d'abord aussi le respect de l'autre dans la différence. Et nous ne savons plus nous respecter. C'est un pays qui ne débat pas, c'est un pays qui se combat et on voit aujourd'hui les excès. Vous savez, les sentiments qui nous les sociétés, c'est les espérances, les peurs et les humiliations. Nous sommes dans un moment où il n'y a plus d'espérance que nous. Et les espérances politiques, et là on a une responsabilité, apparaissent plus comme des stratégies de conquête de pouvoir qu'un pouvoir au service d'un projet de société. Et l'on voit bien que l'offre politique aujourd'hui, c'est qu'à gauche, on n'est pas rassemblé par des convictions, on est rassemblé par des intérêts. Et à droite, c'est la même chose. Et les gens disent aujourd'hui, si on n'a pas de vision, si on n'a pas d'espérance, alors la porte est ouverte pour ceux qui gèrent les peurs ou les humiliations. Sans vision, il n'y a pas de projet. Sans projet, il n'y a pas de mobilisation. Et il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'enthousiasme. Et soyons attentifs à ce qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité de recréer l'enthousiasme du futur. Le futur, c'est la contestation du présent. Ça veut dire que les acteurs qui vont conduire le changement sont aussi importants que le cap du changement. Mais on a besoin d'avoir confiance dans ces acteurs. Si le monde de demain est un monde nouveau, toutes celles et ceux qui sont à la tête de structures, comment peut-on les aider pour accepter d'ouvrir un débat qui aura peut-être pour finalité de remettre en cause les structures? Or, le monde ancien résiste alors qu'on devrait s'adapter au monde de demain. On préfère la jouissance du pouvoir que le pouvoir au service d'un projet. Et nous avons besoin pour les politiques d'être des déchiffreurs du futur, d'être des porteurs d'initiatives, de retrouver cette capacité de la terra incognita, de prendre du risque. Où se trouve le bout de l'entreprendre?
Rappelez-vous cette phrase que je disais au président de la République lorsqu'il est venu au Conseil économique, social et environnemental, cette merveilleuse phrase de Winston Churchill. L'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. Nous avons aujourd'hui besoin de retrouver cette vision d'espérance pour notre prochaine génération. Il faut qu'on arrête toutes ces hypocrisies derrière lesquelles on défile les uns les autres. L'école française, on dit tous égalitarisme, égalité des chances. Mon œil, c'est l'élitisme. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le parcours scolaire, il faut être dans les 5% pour être près du bon Dieu et près du pouvoir. Donc l'impétence du pouvoir en France est aujourd'hui en train de mettre en place à mal cette notion d'égalitarisme. Retrouvons le goût d'apprendre plutôt que l'obligation d'apprendre. Retrouvons le goût de faire d'éveiller les consciences plutôt que d'acquérir des connaissances. Et donc c'est un changement important qu'il nous faut réaliser. Madame Sénic est une universitaire, vient de sortir une étude selon laquelle les Français ont 20% de chances de moins que les autres pays d'accéder au bonheur. Et on voit bien que ça passe évidemment par l'aspect culturel qui a tendance à contraindre plutôt qu'à valoriser, à vous mettre devant vos échecs plutôt que devant vos potentialités. Et je crois que si on inverse ce changement culturel, la France peut être un formidable pays puisqu'elle est reconnue pour la force de sa créativité, de son innovation, alors que tout notre système politique, administratif nous oblige à rester dans la norme quand aujourd'hui il faut aujourd'hui au contraire inventer le monde de demain. Il n'y aura jamais un équilibre des forces. De toute façon, pourquoi avoir un équilibre aussi des forces? Nous parlons toujours d'un équilibre des forces pour négocier, pour entamer des négociations. Nous pourrons entamer des négociations sans, de toute façon, sans cet équilibre. Parce que nous savons très bien que cette coalition, ce sont quand même les membres de cette coalition, sont incompétents, sont arrogants. Il y a pas mal des islamistes qui sont à l'intérieur de cette coalition. Et je crois aussi que la France et l'Angleterre ont fait pas mal d'erreurs. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'avoir la responsabilité et d'être quand même un tout petit peu prudent. Ce n'est pas la troisième fois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les civils qui payent ce prix-là. Ce sont ni les rebelles, ni le régime. Hier même, ils ont exécuté un enfant, un adolescent de 15 ans pour blasphème. Je parle des rebelles armés. Alors il n'y a qu'un équilibre de la terreur. C'est ça ce que nous gagnons. Je crois que les négociations aujourd'hui, à court terme, à vrai dire, il n'y aura pas une solution politique à court terme. Malheureusement, il y aura à moyen terme. On n'est plus dans deux camps, le camp de bien, le camp du mal. Je suis sûr, oui, et je le dis, que Assad a bien créé ce scénario et les opposants ont bien réalisé par leurs crimes. Aussi, il y a des rebelles islamistes, bien sûr qu'il y en a. Oui, j'ai cru, vraiment j'ai cru qu'on pouvait le faire chuter, surtout quand les contestations étaient vraiment pacifiques. Quand on est passé à l'autre phase, c'est-à-dire la militarisation de cette révolte, où lui, il a pu récupérer déjà la masse ou une partie de cette masse silencieuse, il a pu récupérer les minorités, il a pu quand même récupérer puisque pas mal de pourcentages, puisqu'il y a pas mal des communautés qui craignent le départ de Bachar al-Assad, qui le craignent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ces islamistes. Surtout qu'aujourd'hui, la Syrie est devenue quand même un terre de djihad chez les islamistes, il faut le dire. On ne peut pas établir une démocratie comme ça, c'est une culture, c'est un changement d'une culture quand même. C'est-à-dire, il faut apprendre aux autres le respect. Pourquoi c'est risqué d'armer ces rebelles? Parce que en armant ces rebelles, il y aura de marchés noirs. Et c'est qui les groupes qui sont les plus financés et les plus structurés? Ce sont les islamistes. Un peu d'amateurisme dans la politique française, un manque de connaissance des peuples, des traditions de ces pays. Nous avons affaire à des pays qui sont depuis des années gouvernés par des dictateurs, par des gens qui connaissent bien leur pays. Nous avons vu ce que ça a fait de détruire le dictateur en Yougoslavie. Nous avons vu ce que ça a fait de détruire le dictateur en Irak. Comment ça se passe dans un autre pays où on est parti depuis peu de temps? Qu'est-ce que ça a fait de détruire le dictateur de Libye? Bien que ça ne soit pas le même problème. Les discussions ici sont terminées.